Florian et Philou, 6h-10h sur Ado. Premier réveil hip-hop R&B. Noom. Ah, bonne année Noom. Ah, bonne année, bonne année tout le monde. Meilleurs vœux. Ça y est, 2011. L'amour, aussi bien sur place que à remporter. Ah bah toujours. Franchement, la pièce qui aura cartonné en 2010 sur Paris, c'est quand même Amour sur place ou à remporter. Au Théâtre du Temple tous les soirs. À 20h. Et là, ça continue. Ça continue. De plus belle. Ah bah oui. Vous allez faire comme ces pièces qui ont duré pendant... Mais bien sûr, des années. 20, 30 ans. On va passer dans une salle plus grande maintenant. Ah ouais, c'est clair. Bah ouais, il y a tellement de monde. Faut dire qu'on était un peu serré dans votre salle. Hein. Ah bah oui, c'était ah oui, bah c'est le succès. C'est ça le succès. Il y en a qui aimeraient bien être des comédiens, qui aimeraient bien que les gens soient serrés dans leur salle. Ouais. Le problème, c'est qu'ils ont toute leur place. Et oui, c'est ça. Ouais. C'est ça le problème. C'est pas très agréable à jouer, mais bon. Là, ça cartonne en tout cas. Amour sur place ou emporté. Noom est avec nous ce matin. Ouais. Et de plus belle cette année, tu es notre Mr. Love Man. Avec quel sujet aujourd'hui? Quel conseil? Alors, on commence 2011 hein, par un mec qui aimerait plaquer sa meuf. Ah. Donc désolé, jeune demoiselle, mais l'année commence dure. Meilleur vœu. Voilà. Il voudrait la plaquer, mais il aimerait pas passer pour un bâtard. Ah. Alors, il me demande quel conseil. C'est alors, dur, sache c'est que dur. Mr. Loveman n'est pas un bâtard. Donc Mr. Loveman plaque, mais il y a toujours une raison. Et la technique pour plaquer une meuf sans passer pour un bâtard, faut que ce soit elle qui te plaque. Et ben ouais, faut laisser pourrir la situation. Exactement. Ah ouais. Mais faut la pourrir de manière maligne. Parce que si tu la pourris, qu'elle sente que tu l'as fait exprès pour qu'elle te taise, tu passes quand même pour un bâtard. Ah ouais, c'est clair, ouais. Tu passes toujours pour un bâtard dès qu'elle te kiffe, toi tu la kiffes plus, de toute façon t'es un bâtard, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est clair. Là, faut que ce soit donc très subtil. Faut que ce soit subtil. Alors, moi j'ai quelques idées pour faire fuir les filles. Ah, vas-y. Première idée, le chômage. Bien sûr. Si t'es au chômage, elle ne reste pas. Je ne dis pas que toutes les filles sont vides. Pas toutes. Mais ça pèse dans la balance, tu vois. Tout d'un coup, elle se dit, ah, fini le restaurant, fini les soirées, fini l'argent, peut-être qu'il va m'emprunter de l'argent. Généralement, elle met un peu de distance et puis au final, elle te plaque. C'est clair, c'est d'autant plus subtil que donc, pour que ta meuf te quitte, il faut réussir à se faire virer de son taf. Parce que si on démissionne, on se fait pas, on touche pas le chômage. Ah, Attends, ça dépend si t'habites avec elle ou pas. Mais si t'habites pas avec elle, tu peux lui dire que la journée, c'est pas ce que tu fais. Ouais, et puis quand elle t'appelle, tu passes pour une merde. Ouais, je suis en train encore de dormir. Tu dis à tes collègues, chut. Ouais, je dors, j'ai plus envie de rien, j'ai une grosse merde. Parce que autant il y a des mecs au chômage qui font croire qu'ils bossent. Ah ouais, c'est clair. Le coup du mec qui bosse qui fait croire qu'il est au chômage, ça j'ai jamais vu. Ah hein. Bah tu peux le faire. Comme ça, voilà, elle te plaque, moins d'argent, moins de cadeaux, elle va partir, elle va pas rester. Ça marche pas. Donc le conseil c'est ça, faut lui faire croire qu'il est au chômage. Voilà, t'es un mec sans ambition, parce que les filles elles aiment pas les losers aussi. C'est vrai, tu vas tout abandonner. Non, je suis une grosse merde, j'y arriverai pas. Tu joues le dépressif aussi. C'est quoi, tu lui dis même que t'as envie de faire homme au foyer? Je travaillerai, je garderai les enfants. Ah non, mais ça, c'est tous les trucs qui vont la faire fuir. Il y a un autre truc aussi. Ah. Mais c'est le sens inverse. D'accord. C'est que tu lui dis, ouais, j'ai trop envie. Tu sais ce que j'aimerais? J'aimerais que toi et moi, on s'installe chez mes parents. Ah ouais, c'est clair. Oh là. Tu dis, c'est moi, je suis très famille. Et je me rends compte que je te vois bien vivre avec ma mère, vous entendrez bien, vous ferez la cuisine ensemble. Là, tu peux la faire fuir aussi. Ouais, c'est clair. Elle dit, oh là là, c'est pas ce que j'avais prévu, moi, d'habiter chez les grands-parents de ma belle-mère et mon beau-père. Comment faire fuir sa meuf? Nous, et alors, quand la meuf te plaque, tu pleures, tu joues la comédie? Tu joues la comédie ou tu dis, je comprends. Ah d'accord, ok. Oui, parce qu'il faut pas trop la jouer, parce que sinon, elle pourrait dire, bon, ok, je te laisse une deuxième chance. Faut pas la deuxième chance. Surtout pas. Au pire, dès qu'elle te plaque, tu fais, deux jours après, tu fais, ah bah non, tu m'as dit que c'était fini. Un truc que tu lances et tu rattrapes après, non, c'est fini comme ça. Trop fort. Ou bien sinon, un dernier truc. Ah, le mauvais coup. Faire exprès de pas assurer. Ah bah t'as surplus. Là tu penses qu'à toi, tu deviens égoïste. Là tu penses qu'à toi. En une minute c'est fini quoi. Voilà, toi tu dors, elle est. Bah comment ça c'est fini? Bah oui, bah attends. Au bout d'un moment, ça va pas. Je suis stressé, je vais pas bien. Mais faut pas qu'elle aille prendre un amant pour rester avec toi quand même. Ah mais si elle prend un amant, tu l'espionnes et puis que c'est un meilleur moyen de la plaquer. Tous les chemins mènent à Rome. Avec nous, Mr. Love Man. Yeah, Shabba. Merci Noom. De rien. Florian et Philou, 6h10. Les boss sur Ado.